Washington accuse Pékin de déstabilisation en mer de Chine orientale et les États-Unis ont promis qu'ils ne resteraient pas passifs si l'ordre international était menacé. Jeudi, des avions de chasse chinois ont notamment frôlé des appareils militaires japonais au-dessus de la mer de Chine orientale. Objet d'un contentieux entre les deux pays, Tokyo avait émis une protestation diplomatique. Le secrétaire américain à la défense, Chuck Hagel, n'a pas mâché ses mots lors d'un forum sur la sécurité en Asie-Pacifique. Ces derniers mois, dit-il, la Chine a entrepris des actions unilatérales de déstabilisation pour faire valoir ses revendications en mer de Chine orientale. Les États-Unis ne toléreront pas une remise en cause des principes fondamentaux de l'ordre international. Chuck Hagel a également apporté son soutien à la volonté japonaise de jouer un rôle plus important dans le maintien de la sécurité en Asie. Une volonté réaffirmée lors de ce forum par le Premier ministre nippon Shinzo Abe, un souhait qui se heurte à une forte opposition régionale liée au passé colonial de l'archipel.